Monster Kill. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de de Shadow Warrior 2. Vous pouvez voir que là je viens de faire une grosse connerie, on a d'autres gemmes à insérer potentiellement. Par conséquent, je vais continuer à insérer des gemmes électriques dans ce truc. Voilà, que je puisse maximiser complètement les dégâts électriques de ce truc. En termes de sabre, j'aimerais modifier plein de choses ici. Mesquinerie extraordinaire, ça correspond à quoi? Dégâts aux petits ennemis plus 12, qui appartient à un ennemi, d'accord, essence élémentale aux ennemis. D'accord, ça je prends. Ok. Nature classique de charognard, dégâts de nourriture en élémentaux. Ok. PV appartient à un ennemi. Ok. Si j'avais des dégâts élémentaux, j'aurais dit oui. Ok, on part là-dessus. Et pour l'instant, on va se rester avec ça. Ce sabre est juste complètement... Ou alors, parce que de toute façon, on voit pas cette arme-là dans le menu. Si ? Ah si, elle est là. Varve aussi. D'accord. 108 de DPS, c'est clairement mon arme la plus performante. Cependant, j'ai envie de jouer aussi un petit peu avec cela. Et j'ai le droit. Donc autant en profiter. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà. Là, s'il n'y a pas de secret, je comprends pas. Il n'y a pas de secret? Il n'y a pas de secret là-dedans? Ça ressemble tellement à un endroit où pourrait y avoir un secret. Je suis vexé. Me dis pas que je peux pas remonter. Ne dis pas que c'est juste un guac du jeu pour te faire croire à un secret. Non, c'est bon. Je peux remonter. Ok, on y va. Par là, y a rien. Ce jeu me pose des cols des fois. Je comprends pas. Ok, on y va. Des démons ? Non ? Pas de démons ? Ok, la suite. Ok. Qu'est-ce que ce bordel? Bon, je l'ai eu apparemment. Mais finalement, ce sabre au contact n'est pas... What the? C'est quoi, c'est une tique? C'est une tique. Pique dure qui s'appelle. Oh la vache. Hop. Aïe. Qu'est-ce qui lui est pas arrivé? Résistance au feu. Putain, vise Marcus. Bon. Oh. Ça c'était pas prévu.
Et il en reste une. Il en reste une. Ok. Ok. À ton tour. Ok, ça passe pas. Fâche. Je l'ai eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah je prends ça. Cartouchière à projectile, ok. Perfection ordinaire, ok. Je prends ça aussi, hein, au passage. Non, ça s'en est pas une. Ok, j'ai pris un truc que j'avais pas... Yumi arc. Ouh, j'ai un arc. Probabilité de 6,3% de transformer la cible en lapin après avoir touché un ennemi. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ok. Alors. En plus, j'ai trouvé des trucs de dégâts électriques. Combustion basique. Flèche enflammée, c'est pas la fête, ça. Je sais pas ce que j'y ai mis. Ah, non. Hop. Là. Hop. Voilà. Et donc... J'ai pas beaucoup de flèches. Ok. Et clairement, ça et... pas l'autre, du coup. Faut plutôt prendre ça, je pense, hein. Hop, ok. Merci. Apparemment, il y a de l'argent là-bas aussi que j'aurais laissé. Voilà, 3000 pièces, effectivement, c'est pas à perdre. Il y a un bouquin que juste laissé ici, voilà. Mais d'accord. J'imagine qu'en fait tout ça c'est la suite de la mission. Il y a quelqu'un là. Ah non, moi il me faut... Voilà. Vous voyez vous ? Oh la vache. Oh la vache. Donc il a une portée max, hein. Clairement. Oh la vache. Il est d'une classe. Merde. Il y a un problème, les filles. Voulez-vous la mettre? J'ai l'impression qu'il y en a un troisième. C'était dégueulasse. Ok, c'est ça que j'ai vu au niveau bonus. Mesquinerie basique, pourquoi pas. Ok. Là-bas, on a du ki supplémentaire. Il veut pas me le donner parce que voilà. Oh oui, un assassinat. Voilà. Trouver musculation noble. Si tu le dis. Ok. L'argent. J'ai envie d'aller là-dedans parce qu'il doit y avoir des choses aussi. Salut les filles!
Ok, il y a un truc à munitions là-bas aussi. Oh là! Ok. 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 Espace un instant, tu m'as semblé balèze, mais c'était, ça a duré qu'un instant. Ok. Bah écoute, j'ouvre ton coffre. Si cela ne te dérange pas, balle moyenne. D'accord. Il y a de l'alcool avec un siège. Dans cette maison là il y a des choses aussi apparemment. Non, c'est là dedans. Ok. Pourquoi pas. Bon bah munitions déjà. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Oh, du ki. M'intéresse moins que... d'autres choses. Comment je suis censé... Ah non, c'est en dessous. Ok. La coffre. Ok, parfait, je prends. Le boss. Parce que j'estime que c'est un boss. Voilà, merci d'être venu. C'est quoi ça? Ah oui, c'est du ki, ok. Je vais prendre l'arc. Il est tombé dans le puits ou quoi? Pourquoi j'ai carrément l'impression qu'il est tombé dans le puits? Il y a quelqu'un par là. Mais alors où? Bah oui, autant la faire en mode ninja, chers amis, hein, la mission. Ils pourront littéralement jamais m'avoir ici. Hop, magie. Meurs. Ah oui, je pensais que c'était lui le gros, mais en fait non. Résistance au feu. Quel dommage. Vulnérabilité à la glace. J'ai pas d'arme de glace. Ah, mais il vient voir papa en tout cas. Je touche pas. Parce qu'il nous faut plus gros, chers amis. Qu'est-ce qu'il fout? Il est venu se mettre à l'abri ou... ou c'est moi? Ok. Je voulais pas tomber. C'est bien ce qui me semblait. Tu veux bien te montrer? C'est chaud à viser avec une manette. Hein. Aïe! Il est en train de venir. Hein. Faut pas se voiler la face. Oh, un gâteau! Wouhou! Disparition! Ce mec est venu me voir. Ce mec est venu me voir. J'aime pas ça. Ok.
Ok. Ok. Ah papa. T'as quand même pas l'air fin, hein, je veux pas dire mais. Hop. Voilà. Bon. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'objet de quête. Le chi et le empoisonnement classique. Nouvelle cinématique, on y va. I'm a scientist. I worked in his chi physics. Wow, j'ai mal aux yeux quand même. Oh, I see. Wow. Like on chi engines and stuff? I actually helped him invent chi engines. No shit. I'm surprised Zilla didn't consider you more valuable. Oh, he knew my value. Treated me like a golden goose. Until you laid just the golden egg he was looking for. Something like that. Il y avait un trou au milieu là, non? Eh, bizarrement, c'est pas aussi. Ah, cool. Raté. T'es trop mauvais. Pas de coffre, rien. Saut. 7. Pardon, je voulais la faire. Excusez-moi. Non, je sais pas. Dans une crotte. Peut-être qu'il y aura des choses. What? Un portail démoniaque. Quand j'ai vu le baril qu'il avait sur le dos, celui-là. C'est bien s'il continue à faire splurt après. Ça c'est rigolo. Hop, ok. Pourquoi tout ce qui casse dans le jeu explose? C'est fou. Attendez, il y a un truc là. Attendez, il y a forcément un truc là-bas. Voilà, secret trouvé. Maintenant, réfléchissons comment je suis censé revenir. Est-ce que je suis censé revenir? Oui, c'est bon, on a réussi, on est trop fort. Ok, on peut repartir. Peut-être des choses intéressantes en bas, cela dit. Munitions. Apparemment, j'ai récupéré un truc, mais je suis pas tout seul. Allez, viens. Viens. Viens, j'attends. Non, non, ils sont... C'est quoi, ces saloperies? Boum. Boum. Il est pas tout seul. Bon. Qui veut manger du serpent? Non, le serpent ça va pas être une bonne idée. Le serpent, ça va pas être une bonne idée. C'est dégueulasse. Hop. Je suis toujours à 100. Ouais, je suis toujours à 100, parfait. Ok. Là, il y a clairement une échelle. Ok.
Tu m'étonnes, je vais pas être hyper méga discret. Hein. Fail. Ah, je serais bien descendu, pourtant il y a de l'or là-dedans. Ok, on y va. On est d'accord, il y avait un putain de tonneau sur le dos celui-là. Bon bah apparemment c'est juste moi qui me suis fait des films. Yo l'ami. Tiens, l'entrejambe, ça fait mal, il paraît. Aïe. Fermé. Ah, je peux pas parer les éclairs de force. Je ne suis donc pas un vrai Jedi. Qu'est-ce que t'es, toi? Vulnérable à quoi? Vulnérable à quoi? Et pas toi. Boum. Voilà. Ça prendra, gros débilo, ça va être vulnérable à l'électricité. Alors. Allons-y. Il y en a encore deux là-bas. Ok, c'est bon. Problème résolu. Continuons. Alors, putain, j'ai super mal aux yeux si vous saviez. Des enfants qui pleurent apparemment. Bon, ma munition tombe en ruine. Il vaut mieux que je me concentre sur des armes qui reviennent. Et apparemment on a l'objet. Fou, c'est la fête. Il en reste. Y a pas le nid d'un nouveau monstre ou n'importe quoi? Parce que ça m'intéresse, moi, les nouveaux monstres. Neo Monsters! Shin Monsters! Non? Non, vous voulez pas? Ok. J'ai une tronçonneuse à utiliser, personnellement. Ah! Ah, je vous entends, les filles, je vous entends. Où vous êtes? Ah, vous êtes revenu en bas? Non, mais c'est nul. C'est juste un repop classique. Hop. Résistance au feu. Ah merde, excuse-toi. Putain, la souris, ça serait tellement plus simple. Ah, je loupe tellement de tirs. Hop. Parfait. Allons-y. Ok. Résistance au feu, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monstres qui l'ont. What? Faudrait se calmer sur le pop de monstres. Point reçu. Je savais bien que c'était explosif cela. Encore eu un truc explosif, non? Non. T'avais pas vu dans le tas de cadavres, toi. Boum. 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 Il a survécu. Voilà, t'as pas survécu. Il y en a encore. Voilà. Allez, bien. Non, c'est bon. T'es sûr d'en avoir fini avec moi, là? Hop. Oh.
Oh, il est... Il fait le bruit d'un sabre laser. Mais non, mais je suis amoureux maintenant. J'ai mal aux yeux, mais je suis amoureux. Ah, fallait que je passe par là, en fait. Boum. M'en fous, c'est pour le plaisir. Ah oui, il était là. Ok. Crac. Appuyez sur le bouton. Attendez, non. Cinématique. So weird. Cinématique. Having you in my head. Yeah, I can imagine. I guess it's more like déjà vu. You did something like this before. It was slightly different, but apparemment, il est déjà. Apparemment, il est conscient d'avoir été le héros d'un autre jeu. It was aggravating at first too, but eventually we became friends. Wonderful. I'm living with a schizophrenic. And not just any schizophrenic, a highly trained and heavily armed schizophrenic. Well, if you're gonna go, go big, I guess. Always. Ok, donc y'a rien par là. Lapin. Gel basique, dégâts de glace. Ouh. Ça m'intéresse ça aussi. On a beaucoup d'ennemis aussi qui sont vulnérables par contre aux dégâts de glace. Donc téléportation, chers amis, allons-y. Hop. Et on revient ici, c'est cool. C'est complètement cool. Yo. Tu permets que je revende des choses? Genre les trucs les plus moisis que j'ai et... Je peux pas vendre au rebut? Apparemment non. Âme de tireur d'élite. Un coup d'énergie des pouvoirs plus 50% dégâts des armes légères, d'accord, ok. Vitalité sublime de carapace. Point de vie plus 10. Agilité sublime. Cadence de tir, pourcentage de tir raté, dégâts. D'accord, permet un mode de tir rapide. Ajoute un dispositif explosif au projectile. Oh, l'arc! L'arc. Ça, c'est pour l'arc. C'est sans conteste pour l'arc. Du coup, j'ai plus assez pour ça. Il va me falloir ça, malheureusement. C'est obligatoire. Oh, ça c'est intéressant aussi. Ça je peux l'enlever. Ça je peux l'enlever, mais tout ce que j'ai ça coûte rien en fait. D'accord. Ok. C'est tir qu'une fois en fait quoi. Ok. On a des armes à améliorer là, chers amis, clairement. Hein. Là, moi, je... Non, là, c'est pas du... Voilà, c'est forcément du... Nanana, PV après avoir tué un ennemi. Pas un truc qui fasse énormément de dégâts. Plus 4%, c'est toujours ça de prix. Plus une plus grande cadence de tir, ça pourrait être sympa. Oh, mais alors ce sabre. Ce sabre qui, non modé, fait autant de dégâts que l'autre. Regardez ça. Résistance, alors attendez, résistance aux dégâts plus 75 points pendant 2 secondes après avoir tué deux ennemis à la fois. Ok, si tu le dis. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Pas mal. 89 points de dégâts, c'est pas mal. Bon, on va aller voir l'autre vendeur. Du coup,
par principe. Oh, d'accord, on attendait une explosion instantanée, moi, mais enfin bon, je suis un peu déçu. On verra bien. D'accord, il est pas mis en... Voilà. Parfait. Ok, cool. Toujours pas accéder à ça. Pouvoir. Qu'est-ce que tu as à me vendre? Glace céleste. Probabilité de congélation plus 15%. Waouh, dégâts de glace plus 9. Pierre de sorcier. Coût en kill des énergies de pouvoir, moins 30% en résistance de dégâts, moins 15%. D'accord, gel sublime. Glacier noble. Foudre classique. D'accord, ok. Il me vend uniquement des pouvoirs, en fait. Ok. Ah, bien aimé qu'ils me disent vendre au rebut, mais apparemment il veut pas. Ok. Ça, ça a l'air sympa pour le sabre. On reverra ça, chers amis. Oh là 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 là. Il y a tellement de choses à faire dans le jeu. Par exemple, on a des points de compétences à rajouter. On en a une chier. Flamme guérisseuse. Plus 2 points. Ça tombe bien, j'ai 2 points disponibles. Recycleur de mission. Cartouche et rabale. Moissonneur de karma. Ça, ça pourrait être intéressant aussi, hein. Ah. Allez. Hop. Ok. Donc on peut se soigner plus facilement, ce qui, à mon avis, ne va pas être trop trop mauvais vis-à-vis de tout ce qu'on a autour de nous. En termes d'amélioration, on n'est pas trop trop mal. En termes de mission, on en a encore un paquet. Ok, on en est où dans l'épisode? Je pense qu'on a plus de 25 minutes largement. On est à 32 minutes. Eh bien écoutez, chers amis, du coup, on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop! Plus une petite flèche sur le... Ah, là c'est instantané. D'accord, ok, cool. Merci! Bon. C'est bon. Lui, niveau électrique, il est vraiment cool. Lui, niveau flamme. Ça peut être stylé. Oh, la lame devient rouge, non? J'ai rêvé? J'ai rêvé. Ah, puis il a une impulsion, mais je crois que ça vient du truc classique. Par contre, là, comme ça, on dirait un couteau... Ah non, il y a bien une onde, une espèce d'onde qui apparaît, non? Bizarre. Bon, il n'y a pas de technique avec la tronçonneuse, malheureusement. Il n'y a pas de technique. Ok, bon, c'est pas grave. Bon, on a trouvé un sabre laser, c'est déjà ça. Il y a un garage ici. Ça m'intéresse. M'en doutez. Ça, je m'en doutais pas. Une bêtise, je crois que c'est clair maintenant. Je fais des bêtises. Non, ça explose pas. Ah, ça explose. Ah, bon, c'est pas grave. Oh, à l'étage. Étage auquel je ne peux pas aller, c'est dommage. Ah si, je peux y aller, voilà, merci. Ok. Il y a des points partout. Et je ne sais absolument pas à quoi ils me servent. C'est fou, hein. Ok, c'est pas grave. C'est pas quelque chose à récupérer, ça, non? Faut que j'arrête de gaspiller mes munitions, ce serait cool. Bon, c'est pas grave. Allez, salut les gens, parce que là, je fais des conneries.